assim. Brava gente, nós vamos então começar. Eu acho que todos aqui já tiveram a possibilidade de encontrar, pelo menos, e trocar, sem dúvida, também algumas palavras com o Étienne Brunet e com o Laurent Vanni, que são nossos colegas, amigos e parceiros de trabalhos de pesquisa no laboratório, aqui estamos os três vinculados, e que tem agora também uma vinculação forte com esta casa, como vocês sabem. E o Étienne Brunet é o autor do Hiperbase, que vocês já viram em algumas circunstâncias aqui, e o que ele vai apresentar para vocês hoje é algo de bem peculiar. Nós falávamos de números há pouco, né? Já que nós temos efetivamente o corpus do Google, e no Google são cerca de 600 bilhões de palavras, bilhões, né? Os milhares ali são bilhões, e dessas 89 bilhões estão em francês. E cabe dizer que o Étienne Brunet comunicou dois textos para nós. O primeiro é este aqui, que é um artigo ainda inédito e que, graças ao concurso da Cláudia, que não está aqui agora, foi traduzido para o português, não é? E que, por ser inédito, naturalmente ainda não foi publicado, mas nós já temos autorização do Étienne Brunet para o publicarmos aqui, se houver a possibilidade, não é? O que significa que, eventualmente, até ele pode sair em português antes de sair em francês. O outro que ele mandou é esse trabalho aqui. Simplesmente nós precisaríamos de duas projeções simultâneas para termos também a coisa traduzida em português. Como não é possível tecnicamente, nós vamos proceder então de outra maneira. Primeiro, com total liberdade, se vocês acharem necessário, né, num momento dado, uma explicação e tal, vocês solicitem, nós estamos aí para isso. E, por outro lado, nós estávamos pensando que sempre que surgir o texto propriamente, e não são muitas as passagens onde há texto, mas sempre que surgir o texto propriamente, nós vamos poder intervir, talvez, e explicar, traduzir aqui, um de nós o fará. Tá? E eu quero agradecer muitíssimo aí a presença dos amigos e a viagem, que fizeram um esforço considerável para vir aqui passar somente poucos dias em Florianópolis e trabalhando, desfrutando também um pouquinho, né? Também tomamos umas caipirinhas aí, mas é sempre um grande prazer isso tudo. Alors Étienne, à toi d'abord, et puis avec un grand merci, et tu le sais bien. Merci. Voilà, l'orateur, comme vous pouvez lire, est un sourd muet, un demi-sourd quand il s'agit d'entendre, et un muet complet, sauf en français. C'est la seule langue que je puisse parler. Alors je vais parler très doucement en essayant de vous faire comprendre une chose qui est pourtant assez grosse et assez difficile à digérer, c'est-à-dire l'entreprise de Google Books. Alors vous savez que cette entreprise a voulu recenser, a voulu lire et rendre disponible sur un support numérique tous les livres du monde, tous les livres qui ont été écrits depuis l'origine. C'est vraiment une tour de Babel, et c'est pourquoi vous voyez cette image d'une tour de Babel peinte par un peintre hollandais, je crois, au XIIe siècle. Mais il y en a beaucoup d'autres tours de Babel, j'en ai compté au moins une centaine sur Internet. Alors, actuellement, tous les livres n'ont pas encore été enregistrés. Et en particulier, les livres portugais ne l'ont pas encore été, mais ça viendra. Alors, pour ce qui est du pourcentage, on en est maintenant à peu près à 10%.
10% des livres qui ont été publiés sont numérisés, ont été scannés et ont donné lieu à des fréquences. Non seulement on peut restituer le texte, on peut retrouver le texte sur Internet, mais aussi on peut, depuis quelques années seulement, on peut retrouver les fréquences. Et étant spécialiste de cette question de statistique lexicale depuis bientôt 40 ans, je me suis intéressé à ces données-là. Alors ces données-là sont directement accessibles à n'importe qui. Il suffit de s'adresser à Ngram Viewer, il y a l'adresse quelque part, vous l'avez ici l'adresse tout à fait en haut. Si vous voulez noter cette adresse-là, eh bien, vous vous adressez à un serveur et vous proposez un mot. Alors, il faut remplir 4 ou 5 cases. Il y a tout à fait en haut, à cet endroit-là, les mots que vous voulez. Ensuite, les dates que vous voulez, à partir de 1800, par exemple, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire 2 siècles. Et puis, vous précisez le corpus que vous voulez explorer, soit un corpus anglais, soit un corpus français, espagnol, allemand, italien, russe, chinois et hébreu. Alors, on attend le portugais, ça viendra. Mais je ne suis pas responsable. Hein. Il faudrait peut-être leur signifier que leurs données sont quand même injustes et qu'il faudrait tout de même veiller à ce que le portugais, 3e langue mondiale, soit quand même parmi celles qui sont disponibles. Alors, ici, j'ai demandé 4 mots. Vous voyez, il y a 4 courbes. Il y en a 2 qui sont les plus hautes et qui sont consacrées à l'homme au singulier et à l'homme au pluriel. Et 2 autres qui sont consacrées à la femme en bleu au singulier et à la femme en rouge au pluriel. Et que voyez-vous ? Les 2 courbes qui étaient très, très inégales au départ en l'an 1800, il y a 2 siècles, sont en train de se rejoindre. Et même on peut imaginer que dans 1 siècle, les femmes seront nettement devant les hommes. Enfin, il s'agit là des mots. Il ne s'agit pas encore d'une bataille qui serait gagnée par les femmes, mais il faut reconnaître qu'on parle d'elles de plus en plus souvent. Alors, à certains endroits, on peut mettre la souris, là je ne suis pas en direct, on peut mettre sur la souris et savoir à cet endroit-là quels sont les pourcentages. Ici, j'ai mis ma souris à cet endroit-là, là où il y a une bosse, et ça correspond à 1915, c'est-à-dire au milieu de la guerre, de la première guerre. Et à ce moment-là, quelles étaient les ressources nécessaires ? C'était les hommes. Ce n'était pas les femmes qui comptaient, c'était les hommes, c'était les soldats. Et vous voyez très bien que les hommes, au pluriel, ont une bosse, parce qu'on parlait d'eux bien davantage. Alors, le grand progrès par rapport à ce qui se passait il y a 4 ans, en 1909, ces données étaient déjà disponibles, mais elles étaient moins nombreuses. Pour le français, il n'y avait que 44 milliards de mots, et alors que maintenant, il y en a 89, il y en a 2 fois plus. Mais, beaucoup mieux que cela, les données en 2009 n'étaient pas lemmatisées. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas analysées. Elles n'avaient pas un code grammatical pour les distinguer de d'autres mots qui seraient homographes. Tandis que maintenant,
on peut leur demander, on peut demander, voulez-vous me dire la courbe des substantifs? Vous voyez que la courbe qui est tout à fait en haut, c'est la courbe des noms. Et comme il y a ici, il y a là 89, nous sommes en anglais, oui, nous sommes en anglais, il y a 350 milliards de mots qui sont ici, comme il y en a 20%, vous voyez déjà que 20%, c'est donc presque une centaine, il y a presque une centaine de milliards de noms qui sont là dans une seule courbe. Et que voyez-vous, la courbe est montante, la courbe monte. Alors que toutes les autres descendent. Voyez que l'adjectif monte aussi, c'est la seule qui monte, les adjectifs et les substantifs, alors que toutes les autres catégories grammaticales, les verbes, les adverbes, tout tombe. Alors, cette variété, cette puissance de l'interrogation se manifeste par le fait que vous pouvez demander une catégorie en mettant le blanc souligné et puis det qui veut dire déterminant. Il y a à peu près une dizaine de catégories, de parties du discours, part of speech en anglais, et verbe en est une deuxième. Alors on peut les prendre de façon absolue, seule. Par exemple, quand je dis det avec le tiret, ce qui veut dire je veux tous les déterminants. Ou bien au contraire, on s'en sert comme d'un suffixe pour dire d'un mot qu'on veut ce mot-là, mais quand il a la fonction requise. Par exemple, quand je veux le verbe être à la forme du troisième personne du singulier en tant que verbe pour différencier de l'est qui est un des points cardinaux en France, le nord, le sud, l'est, vous voyez, c'est rien à voir avec le verbe être. Il y a une possibilité de conjuguer les verbes avec le suffixe inf qui veut dire inflexion. Il y a une possibilité de mettre des jokers, ce que les Anglais disent des would count. Par exemple, king of, c'est l'astérisque, roi de, tout ce que vous voulez derrière, nous voulons les rois de. Ou bien nous voulons le meilleur de, le meilleur avec derrière tout ce que vous voulez. Toutes les expressions qui utilisent le mot meilleur, enfin toutes, toutes ne seront pas données malheureusement, car Google ne vous donne que les premières, que disons les 10 premières. C'est d'ailleurs un peu un problème quand on veut tout un verbe. Il n'arrive pas à vous donner tout un verbe, il ne vous donne que les formes principales. Alors, quel est le problème tout de même avec cela? C'est qu'on n'obtient que des courbes, on n'obtient pas des fréquences. Et on ne peut pas faire avec des courbes, on ne peut pas faire des travaux derrière. C'est un terminus. C'est un terminus. On a un résultat et puis on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas s'en servir. Il faut pour cela avoir des fréquences absolues et ne pas avoir seulement des courbes. Deuxièmement, la lisibilité n'est pas toujours parfaite quand on multiplie les mots. Ici, par exemple, j'ai demandé le verbe être. Alors, le verbe être a 41 formes en français. Et là, vous en avez à peu près une vingtaine, mais les dernières, elles sont illisibles, elles sont superposées. On voit, vous voyez tout à fait en bas, vous ne voyez plus rien du tout. Donc, avec des instruments comme ça, on ne peut pas aller très loin. Donc, deuxième façon d'utiliser les données de Google, au lieu de se contenter de courbes, on va rapatrier les résultats numériques. Alors, comment fait-on? Eh bien, les gens de Google ont permis qu'on utilise une API, un petit programme qui s'appelle getngram.py, parce qu'il est écrit en Python. Alors, ce programme a marché pendant un certain temps,
Et puis, si vous l'essayez, il ne marchera pas. Alors, heureusement, Laurent Vanier, qui est un spécialiste des choses difficiles, a repris le programme, l'a corrigé, et on va peut-être l'envoyer à Google pour leur dire, écoutez, on a quelque chose de mieux à vous proposer. On a le contact avec les gens de Google, on va pas les blesser, mais on va essayer quand même de leur dire que leur programme n'est pas tout à fait au point. Alors, voyons ce qu'on obtient. Quand on interroge, par exemple, ici, j'ai interrogé avec le mot « D » en anglais, c'était le corpus en anglais. Et j'obtiens des fréquences. Et ça commence à 1800, et puis ça se prolonge. Il y en a 200, comme ça, 200 sous-fréquences qui me disent combien de fois le mot « D » a été employé dans telle année. En réalité, ce n'est pas tout à fait des fréquences absolues. Ce sont des pourcentages. Alors, il faut les lire comme ça. Le mot D a été employé 0, puis il y a 5 zéros derrière, c'est-à-dire un pourcentage très faible par rapport à toute l'année 1800. Et ça donne ainsi le moyen de savoir quelle est la fréquence absolue. Vous verrez tout à l'heure le calcul. Alors, voilà ce qu'on obtient. Quand on manipule un peu ces pourcentages et qu'on les transforme en fréquences absolues, on obtient les fréquences que vous voyez là. Ça, ce sont des fréquences réelles. Le mot « homme », par exemple, a été employé en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas facile à dire, 43 millions de fois. 43 millions dans l'ensemble des 200 années. Alors, normalement, j'aurais dû faire des courbes avec 200 petits bâtons. Mais ce n'est pas très facile à lire, surtout quand on prend des histogrammes. J'ai réduit les 200 années en une douzaine de tranches chronologiques. Et en plus, ça me permettait d'avoir une concentration des données et d'avoir des volumes moins gros à manipuler. N'empêche que cette base, elle fait quand même 300 millions de caractères. Elle est très, très dense, mais elle fait quand même 300 millions de caractères, car il y a 1 500 000 mots différents. Enfin, beaucoup de ces mots sont d'ailleurs des fautes. Enfin, on verra tout à l'heure. Donc, c'est avec ça, nous avons des tableaux, et avec des tableaux, on peut faire de la statistique. Alors, voici le détail pour le corpus français. Combien de milliards il y a dans chacune des tranches? Il y a 12 tranches, et voyez comment on peut aussi choisir son corpus. Soit un corpus français, soit un corpus italien ou espagnol, mais nous n'avons pas les portugais pour l'instant. Alors le calcul, comment fait-on? Eh bien, lisez la grosse ligne en rouge. Sachant que dans l'année 2000, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 182 millions de mots dans cette année-là. Je m'intéresse au mot amour. Je trouve, on me donne que pour la dernière ligne, la dernière année, on me donne le pourcentage 0,00013. Pour savoir quelle est la fréquence absolue, il suffit de faire la multiplication. Voilà. Et j'ai obtenu 155 331 pour l'année 2000. Et naturellement, il faut l'ajouter aux années précédentes pour la tranche qui correspond à la dernière tranche. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et cette fois-ci, on a de quoi faire de belles choses en statistique. Par exemple, on transforme ça en écart réduit. Vous voyez que le mot « homme », ça commence par 20, 18, 21, 6, moins 18, moins 19, moins 18, moins 9, moins 7, moins 11, moins 11, moins 12. Rien que la série, positive d'abord, négative ensuite, vous montre que les hommes baissent. Et par contre, si vous regardez les femmes, ça commence de façon négative,
moins 6, moins 13, etc. Et puis ça finit par plus 26. Bon, naturellement, on transforme ça en courbe. Mais on peut faire d'autres transformations, et en particulier faire des transformations multidimensionnelles. Alors, l'avantage que je signalais tout à l'heure, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir des mots qui sont codés, qui sont annotés, qui sont enrichis, comme on dit maintenant. Et par exemple, le, vous connaissez le mot, l'article le en français, il se confond malheureusement avec le pronom personnel le. Alors c'est très ennuyeux parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, là, il y a une différence. On peut avoir les deux, le comme déterminant et le comme pronom. Et comment fait-on? On lui dit « je veux le » avec le tiret et « d'être » ensuite. Autre chose, on peut aussi demander que la place des mots soit prise en compte. Par exemple, on peut lui demander « voulez-vous me dire combien de fois Bonaparte a été employé en tête de phrase ?» et combien de fois il a été employé en fin de phrase? Eh bien, vous voyez, Bonaparte, c'est un chef, et il est toujours en tête de phrase. Il est très peu en fin de phrase, au moins dans le corpus français. Dans le corpus anglais, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais il ne commandait pas en Angleterre. Et les questions que l'on pose, ce n'est pas seulement sur un mot, mais ça peut être sur deux mots, sur trois mots, sur quatre mots et sur cinq mots qui se suivent. Ce sont des expressions, donc c'est très riche et très puissant. Et même à chacune des places, vous pouvez avoir des filtres, c'est-à-dire mettre une spécification, je veux un déterminant, ou je veux même une catégorie entière. Alors, on est quand même lié au réseau. Si le réseau n'est pas disponible, on n'a rien du tout. Alors voici quelques exemples. Là, j'ai mis ensemble la courbe de la article et de la pronom. Alors vous voyez, celle qui est en rouge, c'est la article descend. Non. Celle qui est en rouge descend effectivement, mais c'est celle qui correspond à la pronom. Tandis que l'autre qui est en bleu, c'est l'article, se maintient avec des vagues. Quand on croise la article avec la pronom, eh bien, on voit que l'article se maintient et le pronom descend. Et là, quand on fait le rapport, le quotient de l'un sur l'autre, vous voyez très bien que l'article résiste et tandis que le pronom s'enfonce. Pardon. Maintenant, toujours avec l'article. L'article, c'est merveilleux parce que ça, c'est un mot extrêmement fréquent qui me permet de tester des choses comme le singulier et le pluriel, ou bien le féminin et le masculin. Vous allez me dire, oh, quelle importance. Mais si, vous voyez que le par rapport à la, c'est un peu comme l'homme par rapport à la femme, eh bien, le est en descente, alors que la est en légère montée. Mais malheureusement, je vais vous dire, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas le fait qu'on parle de plus en plus des femmes, non. C'est simplement parce qu'en français, l'abstraction, les mots abstraits, s'utilisent plus souvent au féminin qu'au masculin. Alors ceci n'a aucun sens en anglais, hein, parce que le masculin-féminin ne sert pas du tout à cela. Il ne sert qu'à désigner les différences sexuelles et non pas les différences grammaticales. Mais par contre, en France, l'abstraction étant le plus souvent au féminin, ça vous indique que la langue française, au moins dans les livres qui sont publiés maintenant, sont de plus en plus abstraits.
Enfin, il faudra qu'on précise un peu ça, parce que ça dépend des ouvrages qui ont été catalogués. Alors, le pluriel et le singulier, c'est pareil. Le singulier est en train de monter par rapport au pluriel qui descend. C'est amusant, ces choses-là. Et jusqu'ici, jamais personne n'avait observé ça. Alors maintenant, c'est une comparaison que l'on peut faire, puisqu'on peut interroger plusieurs corpus. Eh bien, on peut se demander s'il y a des mouvements de fond qui se prolongent d'une langue à l'autre. Et par exemple, le rythme de la phrase qui peut s'observer à travers les ponctuations. Eh bien, vous voyez qu'il y a un mouvement général qui fait que, quelle que soit la langue dans laquelle on s'exprime, eh bien, le point et virgule est abandonné. Vous voyez que le point et virgule se trouve sur la partie droite, ici. Hein, je l'ai mis dans cette patate, comme on dit. Le point d'exclamation, il est là. Il est également de ce côté-là. Je n'ai pas mis le point d'interrogation à cause de l'espagnol. Ça m'embêtait, parce que les Espagnols, ils ont un point d'interrogation un peu bizarre. Mais après, je l'ai fait. Je l'ai mis quand même après. Et le point d'interrogation, il est là, il est lui aussi de ce côté-là. Et vous voyez que toutes les années basculent du rouge, quand c'était en 1800, plus ça devient bleu et plus on se rapproche de l'époque 2000. Et dans l'époque 2000, que voyez-vous, il n'y a plus le point d'exclamation, plus le point d'interrogation, il n'y a pas de point et virgule, mais il y a le point. C'est le point qui bouffe tout, qui mange tout. On ne met plus que des points et on met aussi de plus en plus des points de suspension. Et puis aussi, les deux points. Les deux points survivent bien. Les deux points ont beaucoup d'usage. Dans la langue, c'est pour dire... je mets deux points et j'explique après. Donc, les deux points résistent. Mais, si vous réfléchissez bien, d'un côté, vous avez les signes de l'émotion, ou du sentiment, ou de l'expression, c'est-à-dire le point d'interrogation, le point d'exclamation. Et puis, de l'autre côté, vous avez un point qui est neutre, qui est celui de l'information. Simple, neutre. Donc c'est d'une certaine façon une opposition entre expression et information, entre littéraire et utilitaire. Oh, je pense que c'est trop dur ici. Oh, si, c'est un peu plaisant ça. Je prends l'année 2000, uniquement l'année 2000. Et je m'intéresse à cinq villes, cinq capitales, Londres, Paris, Madrid, Rome et Berlin. Et je demande, de quoi parle-t-on en 2000? Alors, les Français, ils parlent de Paris. Les Anglais, ils parlent de Londres. Il est très bien là. Les Français, ils parlent de Paris. Les Anglais parlent de Londres, les Allemands, ah, ils sont plus quand même, les Allemands sont plus justes. Hein. Ils parlent bien sûr de Berlin, mais de Londres aussi, et de Madrid et de Rome. Pas de Paris par contre. Les Espagnols de Madrid, et puis les Italiens de Rome. Donc une espèce de nombrilisme, un nombrilisme des nations. Donc c'est assez amusant de voir ces choses qui sont attendues, hein, qui sont entendues. Simplement, si on met tout ça ensemble, les 200 années et les cinq capitales et puis les cinq langues, on s'aperçoit quand même qu'il y a un déplacement. Il y a 200 ans, on parlait de Madrid et de Rome et de Paris, et maintenant, à notre époque maintenant, on parle davantage de Berlin et de Londres. Il y a eu donc un mouvement du sud vers le nord. Ah, voilà, j'en suis là.
Et mon étude initiale, où je m'intéressais donc à l'homme, à la femme, et essayons de voir, non seulement en français, et encore plus français, mais les équivalents que vous avez en anglais, que vous avez en espagnol, en italien et en allemand. Et essayons de voir comment ça va se diviser. On pourrait penser que peut-être ça va être les nations qui vont s'opposer les unes aux autres. Hein, il y a plusieurs facteurs là. Il y a les femmes contre les hommes, mais il y a également les Allemands contre les Français. On pourrait imaginer ça. Ou bien on pourrait imaginer aussi le singulier va s'opposer au pluriel. Les femmes vont s'opposer et les hommes vont s'opposer à la femme et à l'homme. Eh bien non. Qu'est-ce qui est le plus important? Le fait que l'analyse, ici l'analyse arborée, m'exprime, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Vous voyez, toutes les femmes sont en haut et tous les hommes sont en bas. Il n'y a qu'une petite exception, la femme française ici, elle est au milieu, elle est en train de reluquer du côté des hommes. Il faut dire aussi que le mot femme est ambigu en français, parce qu'il cumule les fonctions de wife en anglais et de woman. Oui, c'est pareil, oui. Mais... Et là, il y a peut-être ici une petite explication. Si l'on parle des grandes catégories grammaticales, un mouvement chronologique se voit très nettement, pour que vous voyez en bleu, de 1818 jusqu'à 1997, vous avez ce mouvement en forme de croissant qui indique qu'il y a un mouvement progressif, un mouvement tout à fait typique des données chronologiques ou des données sérielles. Et ce qui m'intéresse, c'est que de ce mouvement chronologique abandonne de plus en plus les verbes et s'attache de plus en plus aux noms. Regardez, à gauche, vous avez les adjectifs, vous avez les noms. Alors, le S veut dire que c'est en Espagne. Le G, ça veut dire que c'est en Germanie, c'est en allemand. Donc, vous voyez qu'il n'y a ici que des noms et que des adjectifs dans les différentes langues. Alors que de l'autre côté, vous avez les verbes, vous avez les conjonctions, vous avez les pronoms, vous avez les adverbes. Donc, le langage est en train de se simplifier en abandonnant toutes les catégories grammaticales pour ne garder plus que l'adjectif et le nom. Mystère. Bon, voilà, mon deuxième exposé est fait. Il y a quand même quelque chose qui, même quand on va chercher les données sur Internet, qui est un peu décevant. C'est qu'à chaque fois, on perd une ou deux secondes pour chercher un mot. Et après, il faut chercher un autre mot. Et les tableaux sont très longs à constituer. D'où l'idée de prendre toutes les données qui sont dans Google et de les mettre ici, chez soi, sur son ordinateur. Donc, ça va pomper toutes les données, à charge bien sûr pour nous de les traiter. Alors c'est la troisième chose que nous allons faire maintenant. Si on fait cela, eh bien on n'a plus besoin d'être sur le réseau et on a des réponses instantanées. Et on a des tableaux qui se font à toute vitesse. Simplement, on ne peut pas prendre toutes les données de Google, parce que ce sont des milliards et des milliards de données. Alors, il faut s'intéresser à une langue. J'ai choisi, bien entendu, le français. Il faut s'intéresser aussi, probablement, aux mots individuels. Quand on prend uniquement les mots individuels
et qu'on ne se préoccupe pas d'avoir le mot précédent, le mot suivant, d'avoir des expressions, on a quand même des données beaucoup plus simples à rapatrier. On appelle ça des unigrammes, c'est-à-dire des mots individuels. Tandis que des bigrammes, c'est l'association de deux mots. Et les trigrammes, c'est trois mots, quatre mots, cinq mots, ça devient des données épouvantablement grosses. Donc je n'ai gardé, moi, je n'ai rapatrié que les unigrammes. Mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Alors à partir du moment où vous avez traité tout cela et que vous avez ça dans votre machine, vous pouvez poser des questions comme « Dites-moi tous les mots qui commencent par ceci, tous les mots qui finissent par cela, tous les mots qui ont telle chaîne de caractère, tous les mots qui appartiennent à tel groupe de fréquence ou la longueur du mot, toutes les fonctions qui sont disponibles dans Hyperba deviennent possibles, deviennent faciles. » Et par exemple, un seul clic sur le mot LEM, sur le petit bouton LEM qui se trouve ici, un seul petit clic, et vous dites que vous voulez le verbe être, et vous avez d'un seul coup toutes les formes du verbe être avec leur fréquence, et une possibilité comme celle-ci de faire un arbre qui va me mettre toutes ces formes-là, en me disant lesquelles vont ensemble, lesquelles ne vont pas ensemble. Et là, il y a un choix très clair, où vous avez la troisième personne au passé qui tient un bout de la chaîne, et la troisième personne également qui tient un bout de la chaîne, l'autre côté, au présent. Et entre les deux, vous avez les personnels de la première et de la deuxième personne. Cela vous permet aussi de pointer sur une époque et de, par exemple, d'exprimer le vocabulaire spécifique, par exemple, de la dernière époque. En se servant de l'ensemble des données, on peut dire « Ah, cette époque-là préfère tel ou tel mot » ou « Cette autre époque préfère tel ou tel mot ». Ici, vous avez sur la partie gauche les mots qui sont spécifiques de l'emploi actuel du français. Et quels sont les mots qui sont les plus français? Ce sont les mots anglais. Regardez, le premier, c'est l'article anglais. Ensuite, vous avez « and ». Vous voyez la preuve que le français s'anglicise de plus en plus. Et puis, vous voyez que le cinquième, c'est encore un mot anglais, c'est le mot « off ». Bon, ça c'est pour les mots fréquents, mais vous avez aussi, ce qui est tout à fait d'actualité, le mot « environnement ». Hein, si vous aviez à dire quel est le mot le plus spécifique de notre époque, de l'an 2000, eh bien, la machine vous dit, c'est le mot « environnement ». Est-ce que vous avez des surprises après? Mais non. Le mot processus, par exemple, le mot contexte, le mot politique, le mot actif des gestions européennes, oui, tout ça, on sent bien que ce sont des mots à la mode, au moins quand on connaît le français. Mais essayez de les traduire en portugais, et je suis sûr que vous pensez la même chose, ce sont aussi des mots qui, en portugais, sont d'actualité. Si l'on fait une analyse factorielle, pour la distance intertextuelle, ce mot-là cherche à savoir, quand on a deux auteurs, à quelle distance ils sont l'un de l'autre. Et comment le trouve-t-on? Eh bien, au fait qu'ils partagent plus ou moins de mots dans leur texte. Et là, j'ai fait comme si les tranches étaient indépendantes. J'ai demandé à la première tranche, combien vous partagez de mots avec la deuxième, avec la troisième, avec la quatrième? Ça donne un tableau de distance, un tableau carré de distance. Et l'analyse de ce tableau-là vous donne quelque chose d'extrêmement clair. On vous dit, oh, mais il n'y a rien qui soit plus proche de 1818 que 1846. Après 1862, vous voyez que le dessin est parfaitement
celui d'un croissant, c'est-à-dire quelque chose qui est progressif. Ça veut dire que le langage change. Alors, je voudrais quand même maintenant, après avoir montré les possibilités, vous dire, c'est pas tout rose. Enfin, il y a des progrès. D'abord, l'étendue double, la correction des données. Oui, les données scannées ont été revues. On n'a pas refait le scannage, le scanner, non. Mais on a quand même corrigé la lecture optique. Et en particulier, il y avait un gros souci. Il y avait dans les éditions anciennes, il y avait le S long qui s'écrivait comme un F. Et là, ça avait généré des tas d'erreurs. Le mot le plus spécifique de la première année, c'était EFT. Qu'est-ce que c'est que EFT? Ça n'existe même pas, EFT. Mais c'était E-E-S-T. C'était le verbe être à la troisième personne, mais qui avait été mal interprété. Alors, ils ont corrigé ça. Ils ont corrigé ça. Alors, ce qui est un grand progrès, il y a des codes grammaticaux qui ont été ajoutés. Et cette possibilité de croiser les différents corpus, de croiser le temps et l'espace, c'est véritablement très précieux. Mais les faiblesses. Les faiblesses, c'est que la lemmatisation, elle est incomplète. Quand on demande un verbe, on n'a pas toutes les formes du verbe, on en a quelques-unes seulement. Une erreur aussi persistante, ça c'est grave de la part des Anglais. Ils considèrent qu'en dehors de l'anglais, il n'y a rien. Or, il y a un problème en français avec l'apostrophe. L'apostrophe, en français, fait partie du mot précédent. Et l'apostrophe, ça veut dire le ou la. Et après, nous avons le séparateur. En anglais, c'est le contraire. Quand on dit it, on met it, on coupe, et l'apostrophe est après. Et ces malheureux Américains, malheureusement pour eux, il y avait un Français qui n'a pas vu, ils ont mis partout dans toutes les langues, on met le séparateur devant l'apostrophe. Et c'est catastrophique pour le français, mais également pour l'italien. Et c'est catastrophique aussi pour les autres langues latines, tout au moins. Bon. Exemple d'erreur. J'ai cherché le mot été. Je suis venu, je cherchais l'été ici même, dans ce pays. Je plaisante. C'est pour vous dire que le mot été a deux sens. La saison, l'été. Et puis, le verbe être au participe passé. Alors, voyez combien d'orthographes possibles et combien d'analyses possibles on trouve sur Internet. En demandant que la première lettre soit un E, la deuxième un T et la troisième un E, accentué ou pas. Il y en a une centaine. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule écriture correcte, deux analyses possibles, donc il devrait y avoir deux lignes, et j'ai 100 lignes, donc 98 erreurs. Bon, cependant quand même, au bon endroit, il y a les bonnes analyses avec les bons chiffres. Ça, c'était les erreurs du scan. La lecture optique, elle fait ce qu'elle peut. Mais quand il y a un défaut d'ancrage, quand le papier est mauvais, c'est fatal qu'il y ait des erreurs. On ne peut pas reprocher ça à la machine. Mais c'est plus grave, les erreurs de codage. Alors, il faut être malin pour les trouver. Alors, j'ai demandé le mot ver, V-E-R. Et j'ai trouvé ce que vous voyez en haut, au singulier. Le mot ver a été employé comme un substantif, dans la plupart des cas, et aussi comme un verbe. Et vous voyez, toutes les analyses sont là. Elles sont toutes fausses. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Bon, mais disons que l'ordinateur s'est trompé qu'une fois sur trois, ce qui est pas mal. Le plus grave, c'est après. Car j'ai demandé le mot vers, V-E-R-S. Bon, vous savez tous que le vers, c'est la préposition, on se dirige vers quelque chose. Et les gens qui ont traité ça ont fait comme si c'était toujours le cas. Il n'y a pas d'autre verbe, V-E-R-S, que la préposition.
On oublie que les poètes font des vers. Ça s'écrit de la même façon. Et que les morts, eux aussi, font des vers. C'est-à-dire, les petites bêtes, qu'en anglais on appelle des bugs. Bon, eh bien, on a oublié ça. Et ce sont des mots relativement fréquents. Le mot vers, le vers des poètes. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié parce qu'ils ont fait un traitement expéditif. Et j'ai cherché tous les mots vraiment fréquents qui avaient la même analyse avec le code et qui avaient la même analyse et le même chiffre sans le code. Ça veut dire que quand la chose se produit, ça veut dire qu'ils ont impérativement attribué le code comme ça, sans regarder le contexte. Ils n'ont pas regardé le contexte. Et j'ai trouvé ça, non pas seulement pour le verbe, pour le mot vert, j'ai trouvé 6000 fois, 6000 fois les mots qui avaient plus de 1 million d'occurrences. Ils ont procédé 6000 fois à cette mesure expéditive. Qui génère des erreurs. Et ça représente combien? Ça représente 60 milliards sur les 70 milliards. Donc en réalité, on ne peut pas se fier à leur lemmatisation. Elle a été imposée directement dans le dictionnaire sans rechercher le contexte, au moins 7 fois sur 8. 7 fois sur 8. Non, ils ont massacré le travail. Je sais bien que c'était épouvantablement long, mais ils ont fait une lemmatisation dans laquelle on ne peut pas avoir confiance. Alors le plus grave, c'est ça, c'est la dernière page. C'est que on voit une évolution. On a vu des courbes qui étaient montantes et d'autres qui étaient descendantes de façon extrêmement claire. Est-ce qu'on peut faire confiance à la chronologie? Eh bien, quand on réfléchit, non, on ne peut pas faire confiance à de telles courbes, même si elles sont très très claires. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans chacune des années. On ne sait pas comment ont été constitués ces corpus-là. Or, on devine ce qui s'est passé. C'est que dans les années récentes, on n'avait même pas besoin d'aller chercher, de scanner. On avait directement le texte numérique. Et c'est pour ça qu'on en avait beaucoup plus. Bon, il y a donc une différence de taille. On a beaucoup plus de textes récents que de textes anciens. Donc ça, c'est un traitement inégal déjà. Mais deuxièmement, quand ces messieurs-là de Google sont allés dans les bibliothèques pour scanner les ouvrages, est-ce qu'ils ont trouvé la même proportion d'ouvrages scientifiques, littéraires, dans toutes les années? Eh bien, en remontant dans le temps, il y a beaucoup d'ouvrages qui disparaissent. Quels ouvrages disparaissent les premiers? Les techniques. Les ouvrages techniques disparaissent parce qu'ils sont démodés. La science va à toute allure, et tandis que les ouvrages littéraires, les ouvrages philosophiques, ils se maintiennent, ils ne sont pas démodés, on fait de nouvelles éditions. Donc on voit très bien comment il y a une disparité, comment il y a un traitement inégal. Dans les textes anciens, on a beaucoup de choses littéraires. Dans les textes modernes, on a n'importe quoi. On a les éditions techniques, on a le tout venant de l'édition, n'importe quoi. Et donc, quand on trouve une différence entre le passé et le présent, on voit une évolution. Mais est-ce que c'est la langue française qui évolue ou simplement c'est la composition du corpus qui est différente? Les siècles anciens sont littéraires, le nôtre est technique. Et oui, mais ça tient simplement à la composition du corpus. Malheureusement, on n'a pas accès à la composition du corpus. Il ne donne aucun document pour dire
ce que je viens de dire. Je suis seulement en train de le supputer, d'imaginer, d'interpréter. Mais je crois tout de même que c'est la vérité. Voilà, j'ai fini mon exposé. Maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer le logiciel en marche. Vous avez 5 minutes ? Je ne vais pas rester jusqu'à cette nuit. Hein. Est-ce que j'ai dépensé mes 40 minutes ? Non, pas encore. Si, j'ai dépensé, je crois. Alors, on va essayer de voir si on peut faire mieux que ce PowerPoint. Je vais m'en aller ici. Voilà. Alors, ici, nous avons une grande page vide. Supposons que je veuille chercher un mot. Vous me suggérez un mot ? Bon, bah, par exemple... Pas de suggestion ? Bon, bah, quand c'est comme ça, je mets le mot « silence ». J'espère que je suis sur le réseau. Apparemment, oui. Voilà, le mot silence a répondu. Vous avez ici une ligne qui indique l'évolution du mot silence. Vous n'avez là que les fréquences absolues. Mais je peux vous les transformer en écart réduit. Ça vous donne ça. Et je peux aussi vous le transformer en une courbe. Ah ben, ça, c'est une courbe intéressante. D'habitude, les courbes, elles sont là. Franchement descendantes, franchement montantes. Tandis que celle-ci, elle est quand même un peu plus évoluée. Ça commence par descendre et ça remonte. Ça fait plaisir quand on le trouve comme ça. Là, il y a un mouvement inverse. Alors, on pourrait essayer. Je n'ai jamais fait ça. Hein. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Je vais essayer de mettre un autre mot. Je reviens à la place précédente. Essayons de mettre le mot bruit. À mon avis, le bruit, ça monte. Hein, vous ne croyez pas ? À mon avis. On va essayer. Je lui demande donc, donnez-moi le mot bruit. Et j'essaie le mot bruit. Ben voilà, je me suis trompé. Peut-être qu'il faudrait le prendre en pluriel. Non, je comprends un peu pourquoi. Je suis en train de confondre la chose et le mot. Dans notre civilisation, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de bruit. Seulement, le mot bruit, c'est un mot concret hein, qui se trouve dans un roman. Il a fermé la porte avec un bruit retentissant. Bon, c'est un mot de la, comment dire, qu'on trouve dans une narration, qu'on pourrait trouver aussi dans la poésie. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de textes techniques qui parlent du bruit ? Il y en a certains, mais c'est pas... C'est un mot plutôt concret, c'est pas un mot abstrait. Maintenant, je justifie ce courbe-là, mais j'ai vraiment parlé trop vite. Hein. Faut faire attention, faut réfléchir avant. Oui, j'imaginais la chose, alors que c'est le mot. Bon, alors cette fois-ci, on a le choix. On n'est pas obligé de s'en aller sur Internet, mais je peux très bien faire des choix ici en demandant par exemple donnez-moi les catégories. Et bien, voyez comme c'est rapide. Là j'ai des milliards, j'ai 44, non j'en ai de plus, j'ai 70 milliards de mots qui sont dans un seul et même tableau. Regardez, c'est des chiffres énormes. La dernière ligne par exemple, les déterminants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 milliards. 9 milliards de déterminants pour l'ensemble de cette littérature de 2000 à maintenant. Alors, je peux voir les noms. Comment ça évolue ? Vous voyez que la courbe est très nette, là. Les noms, et il y en a un gros paquet, là. Il doit y en avoir 19 milliards. 19 milliards de noms en français dont la courbe est montante. Et je pourrais demander pour les verbes. C'est juste le contraire.
Et je pourrais aussi mettre le zoom sur une colonne, hein, c'est-à-dire la dernière colonne, c'est-à-dire celle où nous vivons maintenant. J'appuie sur 1997. Et on me dit, dans cette époque-là, quelles sont les catégories qui sont en faveur et celles qui sont en défaveur. Eh bien, c'est ce que j'attendais. Le nom, l'adjectif, le X1, ça veut dire les mots étrangers. Et puis, ADP, ça veut dire les prépositions. ADP, c'est adposition en anglais. Et bien sûr, en bleu, dans les déficits, vous avez les verbes, les adverbes, les mots de la conjugaison, non, les conjonctions, pardon, pas les conjonctions, et puis les pronoms. Et mieux que tout, on peut faire une analyse arborée. Si je fais une analyse arborée là-dessus, sur les écarts et sur les mots, et on aura ceci. Vous voyez, espèce d'arbre où vous avez en haut les catégories nominales, à savoir les mots étrangers X1, les adjectifs, les noms et les prépositions et même aussi un petit peu les déterminants. Après, vous avez un petit rond qui indique le centre de gravité et dessous, vous avez les catégories verbales. Mais c'est plus clair lorsque je demande non pas une analyse arboré, mais une analyse factorielle. Il y a 36 façons de les faire, en voici une. Et voici le résultat. Regardez ici, vous avez les époques les plus anciennes, 1818, 46, 62, 78. Nous avons le magnifique croissant qui indique le mouvement du temps. Et quelles sont les catégories qui sont ici? Les verbes, les adverbes, les pronoms et les conjonctions. De l'autre côté, vous avez ce qui caractérise notre époque, les prépositions, les noms, les adjectifs et les mots étrangers. Vous voyez que tout est clair. Tout est clair quand on sait la composition de ce gros corpus. Et ça s'explique malheureusement, moins par la chronologie que par le genre. Par le fait que d'un côté, on a des textes plutôt littéraires et de l'autre côté, des textes plutôt techniques. Et c'est ça qui est embêtant, c'est qu'on croit saisir une chose alors qu'on en prend une autre. Ambiguïté, hein, quand vous avez plusieurs facteurs, quand un facteur cache l'autre. Voilà, sur cet aveu de défaite, hein. C'est pas ma défaite à moi, mais c'est la défaite de ces données-là. Il faudrait mettre de l'ordre là-dedans. Hein. Voilà, je m'arrête. On ne peut pas dire je veux ce texte-là, mais pas celui-là. Oui, c'est ça. Non, dans les données, c'est à prendre ou à laisser, mais on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir. S'il faudrait pour la langue qui est encore vierge, neuve, pas exploitée encore, c'est-à-dire le portugais, les prévenir à l'avance en disant « Attention, ne mettez pas n'importe quoi. » Non, mais oui. En tout cas, mettez une marque de genre. Ça nous aiderait déjà. C'est vrai que si... Littéraire, je comprends.
Oui, s'il le mettait, effectivement. Je crois que ce sont des gens qui sont très forts en informatique, qui ont de très gros moyens en informatique, et en linguistique, ce sont des gens rapides, vraiment très rapides, qui ne savent même pas que l'apostrophe se place à un certain endroit. Tout de même, là, c'est grave. Il n'y a pas assez de vrais linguistes chez eux. Là, si on fait la comparaison avec Frantext, c'est quelque chose de moins puissant, mais ça existe depuis 45 ans. C'est une entreprise qui a été faite pour faire un dictionnaire, le trésor de la langue française. Et pour faire ce dictionnaire, on avait décidé, c'était juste le commencement de l'informatique, on avait décidé de saisir les textes afin d'avoir des exemples et ne pas copier les exemples qui étaient dans les autres dictionnaires, ni même fabriquer des exemples. Non, il fallait qu'il y ait de vrais exemples puisés dans les textes. Donc, ils ont mis la littérature française sur des cartes perforées. À l'origine, c'était des cartes perforées, après des bandes magnétiques et maintenant, bien entendu, des disques durs. Mais ça a été fait par des linguistes. Et l'objet, c'était un objet linguistique, fabriquer un dictionnaire. Donc, la puissance du côté linguistique, elle était là. Il y avait 100 personnes, tous des linguistes. Et il y avait une demi-douzaine d'informaticiens qui n'avaient pas la puissance qu'on a chez Google. Donc, du côté informatique, ça n'a pas bien marché au début. Mais maintenant, ça marche très bien. Surtout qu'il y a eu un homme qui était génial, qui s'est emparé des données. À lui tout seul, il a tout fait. Et les résultats sont bien meilleurs que ceux qu'on trouve dans Google, parce que c'est unifié. Tous les textes, on sait lesquels c'est. On connaît tous les textes. Le corpus, il n'y a pas de trou. Le corpus a été coordonné, il y a eu des commissions il y a 50 ans qui ont dit on va prendre tel texte, mais pas celui-là. Vous voyez, tout a été choisi. Et donc ça donne une image de la France, de la langue française, qui est une image stable et dans laquelle on peut faire confiance. Donc c'est plutôt du côté de Frantext qu'il faut aller si on veut avoir des résultats sûrs. Frantext continue, hein. Mais maintenant, on en est à 300 millions de mots. Bah, par rapport aux 600 milliards de Google, ça fait un peu faiblard. Qualité, quantité, il faut choisir. Je vais finir là. A gente fecha o nosso simpósio, né? Eu vou traduzir, hein. Queria agradecer imensamente, né, a presença, a participação de todo mundo nesses pequenos comitês muito bons nossos aqui, né, e sobretudo a disposição do Etienne, do Laurent, de terem, como diz uma amiga minha de Madrid, atravessado el charco, né, atravessado o oceano e ter se disponido a chegar e trabalhar com a gente. Realmente foi uma alegria muito grande tê-los aqui, ter contado com vocês esses dias todos, né. Obrigado mesmo imensamente. Tiens, je voulais te remercier vraiment de la gentillesse, de la disposition, ma gratitude d'être venu, extensible à toi aussi, Laurent. Merci infiniment. Moi, c'est probablement la dernière fois que je viens ici, c'est même la deuxième fois. Oui. Mais maintenant, c'est Laurent. Oui, mais de toute façon, on va passer un accord. Il très bien ici, il a déjà des Mais tu t'en doutes pas, on va passer un accord, alors ça va devenir plus fréquent. Nos rencontres, nos bavardages, nos discussions. Ça me fait vraiment plaisir de compter sur ton intelligence, ta présence. Merci infiniment, Laurent, à toi aussi. Bon, de toute façon, on commence à entamer une série de démarches, de travaux en commun, et ça viendra, sûrement. Et surtout avec Carlos. Merci à tous. Merci.